Bonjour, je m'appelle Catherine. Nous habitons avec mon époux dans cette maison depuis 2007. En fait, on avait complètement craqué sur ce lieu parce qu'il y a tellement de possibilités pour vivre dehors avec une très jolie terrasse et un beau jardin que nous avons aménagé. Le seul problème, c'est que dès que les beaux jours arrivent, justement, on ne peut pas s'installer sur la terrasse. Il y a trop de soleil, il fait trop chaud, trop de réverbération. Donc, à bout d'idée, j'ai finalement appelé 48 heures bricot et je pense que Cédric sera l'homme de la situation. Ring ! Bonjour. Bonjour Catherine, Cédric de 48 heures Brico. Enchanté. Nicolas, mon assistant. Bonjour. Bonjour. Alors, je crois que vous avez un problème de Storban. Oui, oui, il fait très chaud, d'une part parce que le soleil est au zénith et donc tombe directement sur la terrasse. En plus, c'est clos de mur, donc ça renvoie la réverbération. On se croit un petit peu dans un four. Une espèce de four solaire. Un four solaire, exactement. Donc le parasol, ça va pas être possible. Le parasol, il va être un petit peu petit. On abandonne. Donc on va partir sur un store qui va prendre toute la largeur de votre terrasse. Mm-hmm. Et puis on va essayer de se déployer le plus long possible. Ce qui serait bien aussi, peut-être, c'est que ça soit électrique. Ah, ça serait génial. Alors, pour la réverbération, on va peut-être aussi travailler sur la terrasse. Pourquoi on va peut-être vous ramener un peu de bois. Et je pense que ça peut être pas mal. Génial. Donc, il faut qu'on aille faire nos petites courses. Ouais. Et puis, on vous retrouve en tenue. En tenue. Voilà, et motivé. Et génial. À c'est tout parti. À l'heure. Au revoir. En tenue et motivé. Ça, c'est top. Ça, c'est une dalle en teck clipsable. On va en prendre 16 mètres carrés comme ça va être top. Là, on va prendre notre Storban. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Voilà, alors j'ai un Storban à fixer. D'accord. Et j'aurais voulu voir un peu ce que vous me proposez pour fixer cette chose-là. Est-ce que vous connaissez la nature de votre support? Parce que ça, non, c'est très on n'a pas percé encore, donc je ne sais pas derrière l'enduit si on a du plein, du creux. Alors, si vous ne savez pas quel type de support vous allez rencontrer, le plus simple, c'est d'utiliser un scellement chimique. On ne sait pas si on est dans du creux ou dans du plein. On va commencer par le plein parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, on fait notre trou dans le béton ou dans le support plein. On nettoie notre trou avec une soufflette. C'est pas une seringue, ça? Non, non, c'est une soufflette, c'est une pompe à vélo, c'est d'accord. Comme vous voulez. Ce qu'il faut, c'est bien nettoyer le trou. D'accord. Ça, c'est une résine, d'accord. Bicomposant. On va installer notre cartouche comme une cartouche de silicone. D'accord. On installe notre buse. Ouais. Je vais donc rentrer... D'accord, donc là c'est le trou. On ma buse, la buse à l'intérieur comme ça. Du trou, voilà. Je pompe, je recule, je pompe, je recule, d'accord. Jusqu'à ce que je remplisse le trou. Okay. D'accord. Okay. Si on est dans un support creux, on fait notre trou et d'accord. Ensuite on vient mettre un non, tamis. Non, non, c'est là le tamis, voyons. On fait la même opération que dans un support plein. On va au fond du tamis. D'accord. Une fois qu'on a rempli le tamis, on vient mettre notre tige comme dans un support d'accord, plein, toujours en rotation. Et ce qui va se passer, c'est que toute votre résine va sortir par les aspérités que vous avez sur la passoire et va faire des contreplaques derrière chaque alvéole. Une fois que la tige est rentrée, on fait comme pour un support plein, on attend le temps de séchage et après on n'a plus qu'à venir appliquer son Storban. Et ben c'est parfait. Retour des courses, Cédric va pouvoir attaquer les travaux, mais pour l'heure, place à la réunion de chantier. Notre credo, nous, c'est le travail en trois étapes. Donc on a une première étape, on va prendre des mesures, parce que c'est important là dans cette histoire avec la grandeur du Storban, un décalage d'un centimètre sur nos trous et on peut arriver à un écart de 10 ou 20 centimètres à l'autre bout. Une fois qu'on aura des jolis trous bien placés, on va pouvoir se lancer dans le scellement chimique. L'étape 3, ça sera installer Storban et faire la connexion électrique. On récapitule. Première étape, prendre les mesures. Étape 2, le scellement chimique et la pose du Storban. Étape 3, le raccordement électrique. Le chantier peut commencer avec l'étape 1. Vous devrez vous munir d'une mesure, d'une équerre de menuisier, d'un niveau à bulle et d'un marteau perforateur. Donc là, on va prendre une cote hors tout. Hors tout, ça veut dire hors tout. C'est-à-dire la cote maximum d'encombrement de la chose sur laquelle on est en train de travailler. Donc là, j'ai 3,96. Et moi, là, j'ai 0. On a mesuré la distance totale du mur de 4,85 m. La différence, c'est 89 cm. On va couper en deux, c'est 44 cm et demi. Donc le bord de notre store va être à 44 cm et demi du début du mur. Et puis, on a vu que notre pâte, on l'a placée à 30 cm du début du store. Donc, on prend 30 cm et on a la position de la pâte. On a vu aussi que notre store, il avait besoin d'à peu près 20 cm de débattement. La place du store, elle est entre là et là. Donc, il nous reste 13 cm. C'est la distance du bas du mur au bas de la pâte. On vérifie la position des pâtes avec le niveau à bulle, puis on peut commencer à percer. On sait que la profondeur de notre trou va être de 13 cm. D'accord ? Mm-hmm. Une petite astuce, on met un petit scotch exactement à la bonne distance. Ah. Donc ça va me permettre de m'arrêter
A noter que le diamètre du forêt doit être supérieur de 2 mm à celui de la tige filetée. Les trous sont percés, c'est la fin de l'étape 1. On attaque l'étape 2. Pour cette étape, vous devrez vous munir d'une pompe à vélo ou d'une soufflette, d'un pistolet extrudeur, de la résine bicomposante et des tiges filetées, et de clés plates. On va commencer le placement de la cheville chimique. Pour ça, il nous faut un trou nickel, propre. Mm-hmm. On a deux solutions, la pompe à vélo, carrément, mm-hmm. ou ce petit appareil qui est fait exprès pour nettoyer les trous. Oula. Donc là, on nettoie avec de l'air, mais évidemment, il ne faut pas essayer de le faire avec de l'eau ou quelque chose comme ça. Et quoi, on voit que c'est fini, qu'on a pas... Quand il n'y a plus de poussière, voilà. Il y en a encore, là. Désolé. Catherine. On attaque le quart d'heure culturel de l'émission. Ah, tout ce que j'aime. On va parler de cheville. Donc l'origine de la cheville, au départ, c'est un petit morceau de bois qu'on plaçait dans les murs. Et puis après, on venait visser une pièce de métal qui n'était pas vraiment les vis d'aujourd'hui. Hein. C'était un peu archaïque. Ensuite, on a eu cette cheville de base, qui est la cheville universelle, dont on coupe les morceaux et qu'on a enfilé de toute taille dans tous les trous et de tout temps. Et alors aujourd'hui, ce qu'on a choisi pour vous, c'est le scellement chimique. C'est une résine bicomposante qui se trouve dans ce tube. Donc chacun des deux produits va circuler dans la canule et va se mélanger. On va faire sortir à peu près 10 cm de produit. Parce que là, on n'a pas le bon mélange encore. Voilà, quand le produit commence à être gris, là il était blanc, il n'était pas mélangé. Là il est gris, il est mélangé. Le store va être fixé dans du béton, un matériau plein. L'utilisation des tamis n'est pas nécessaire. Donc là, on enfonce la canule tout au bout du trou et on commence à injecter le produit par le fond. Je veux bien que vous me passiez la tige. Il faut bien tourner la tige filetée quand on l'introduit dans le trou, à la fois pour attraper de la matière et pour chasser l'air. Si vous avez mis trop de produit, bon ben voilà, le problème c'est que ça dégueule, mais c'est pas pour autant que votre cheville sera pas bien fixée. Pour vous montrer tout à l'heure pourquoi il fallait bien enlever 10 cm de produit blanc, on voit qu'ici le produit gris, il est très 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 dur, hein, alors que là le produit blanc, et ben voilà, on voit il est absolument pas pris. Une fois que la résine a séché, on oriente les pattes avec le niveau à bulle et on resserre au maximum les écrous. Il ne reste plus qu'à poser le storban. Maintenant qu'on a posé le storban dans sa petite patte, il suffit de mettre juste l'écrou de serrage. Donc il y en a un de chaque côté, un petit tour de clé et c'est serré. Là j'attends que Nicolas ait mis ça en place et on va régler le store bien au milieu. Lorsque le store est centré, il est indispensable de resserrer les écrous de serrage. Est-ce que l'inclinaison est aussi avancée vers nous ou est-ce qu'on peut un petit peu... Alors, en vissant cette petite vis, regardez, on le redresse. Ah ouais, voilà, bien. On change nettement l'inclinaison. Et on le fait à volonté. Ah, parfait. Le storban est fixé, c'est la fin de l'étape 2. Aujourd'hui, Cédric vous dit tout sur le pas de vis, un geste auquel tout bon bricoleur est confronté régulièrement. Le geste brico du jour, ça va être apprendre à faire un pas de vis dans une plaque de métal. C'est une situation qu'on peut rencontrer quand on ne peut pas accéder derrière un métal, par exemple un poteau, une paroi en métal, ou qu'on ne veut pas mettre un boulon par esthétisme ou par choix. Normalement, on met une vis et un écrou, et on visse. Là, ce qu'on va apprendre à faire, c'est directement faire un pas de vis dans ce trou. Alors, j'ai une vis de 6, j'ai fait un trou de 5, donc on prend 1 mm de moins de perçage que le diamètre de sa vis, et ensuite, on se munit d'un tarot. Ça va nous permettre de fabriquer le pas de vis dans le métal. Pour ça, il nous faut un tourne-à-gauche dans lequel on va coincer le tarot. Et ensuite, voilà, il faut être bien droit. Le principe, c'est qu'on tourne de 3 tours à peu près et on revient un petit peu en arrière pour éliminer le métal, les copeaux qui se sont faits. Et puis on fait ça toute la longueur du tarot. Une fois qu'on a fini de tarauder, on peut prendre la vis et vous voyez, ça se visse très simplement sur la plaque. Donc là, si on avait une cloison ou ça, ça serait très bien. On aurait notre fixation tout à fait bonne. Retour à notre chantier. Après la pose du store, Cédric s'attaque maintenant à la terrasse. On nettoie le sol au nettoyeur haute pression afin d'y poser des dalles en teck. En fait, le système est très simple. Vous avez des parties mâles et des parties femelles. Il suffit de les faire correspondre, bien évidemment. Et puis ensuite, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On appuie. Pour l'aménagement des dalles en teck, comptez environ 50 € le mètre carré. On passe à l'étape 3. Pour cela, il vous faudra une scie à métaux, des tournevis électriques et un dénude-gaine. Cette étape consiste à réaliser le raccordement électrique. On s'est repris sur l'installation existante et on branche une petite boîte de dérivation avec des dominos pour
électrifier notre Storban. Et en matière d'électricité, il y a certaines règles de sécurité à connaître. Je vais vous parler un peu de sécurité électrique. Il faut être attentif aux sections de fil. On va partir de la plus petite section, qui est 1,5 mm. Donc là, on est plutôt sur de l'éclairage, des choses très petites. Ensuite, on passe au 2,5 mm² qui, lui, se trouve dans la plupart de vos prises de courant, qui permettent de brancher des appareils de puissance moyenne. Et puis, on finit avec le 4 mm, voire le 6. Et là, on est carrément dans du gros appareil électroménager, type table de cuisson, four, lave-linge, voilà. Donc faites attention aux sections, surtout ne pas brancher un gros appareil sur un fil de trop petite section, parce qu'il y a des accidents. Voilà, soyez prudents. Moi, je retourne au store. On passe au raccordement électrique du store. Cédric ouvre l'interrupteur pour les dernières connectiques. Alors Cédric, on en est où avec cette électricité ? Ça se termine. Alors là, on a branché sur votre général notre boîte de dérivation. On est arrivé là et on a ramené la commande du Storban et l'électricité ici. Donc sur le bleu, on a le neutre. Oui. Là, on a le vert jaune qui est la terre et le rouge qui est le courant qui arrive. Alors ça rentre un peu au forceps. Hein. Toujours avec l'électricité. Ouais, et plus c'est au forceps, mieux c'est. Voilà Catherine, j'ai fini de fixer cet interrupteur. Ce qui serait bien maintenant, c'est d'aller remettre le courant. Oui, je vais m'en occuper. Vous pouvez faire ça pour moi, merci. Je vais placer les petits interrupteurs. Donc normalement, ça c'est la descente. Et ça c'est la montée. Pas mal, non ? Ah, c'est génial. Hein. Bravo Cédric, vraiment, vous avez changé ma vie. Maintenant, après une journée comme ça, vous pouvez le faire vous-même. Oui, là, franchement, c'est bien, j'ai tout compris. En tout cas, merci beaucoup pour vos conseils. Vous avez vu, c'était pas très compliqué le Storban. C'est une belle pièce, c'est une grosse pièce, mais c'est pas très compliqué. Le truc, c'est de prendre des bonnes mesures pour avoir des bons perçages. Parce que si on part de travers, on n'y arrive pas. Il aura fallu une journée à Cédric et Nicolas pour installer un Storban. Si vous aussi, vous souhaitez équiper votre terrasse, il vous faudra un Storban, bien sûr. Un marteau perforateur et un forêt béton pour les trous. Un kit de scellement chimique et des clés à cliquer pour la fixation du Storban. Le tout vous reviendra à 793 €. En tout cas, si vous n'avez pas tout compris, vous retrouvez toutes les infos sur le site de 48heuresbricot.com. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur Direct 8. Allez, ciao. La journée s'est très très bien passée. Il y a plusieurs gestes bricots qui m'ont étonné aujourd'hui et surtout d'une manière générale la facilité avec laquelle on peut aujourd'hui bricoler. La mission est totalement accomplie, je suis enchantée au-delà de mes espérances. C'était 48 heures bricots avec Weldom, magasin de bricolage.